So for the optimistic cynic, I shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est JD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui on va se faire notre dernière attaque de ligue, tout simplement. On est le 7ème jour, on va se faire notre dernière attaque. Je pense qu'on va se taper lui, on va se taper Chavez Junior. Voilà, je pense que ça va être assez top. Écoutez, voilà, je pense que ça va être assez top. En vrai, il a sa reine 37, il a un CDC, et en vrai, il a des défenses un peu d'HDV9, à part ses TDEC Zarkix, qui sont d'HDV10, donc en vrai, je pense que ça peut être... et ses mortiers, et un mortier aussi, deux mortiers, et ses anti-aériens, donc clairement, on va pas le taper en aérien, voilà, celui qui le tape en mobile là-dessus, il se fait défoncer. En tout cas, voilà, on va essayer de faire ça, évidemment, avec la compo AQH Minoc. Voilà, que vous commencez à avoir l'habitude, que ce soit en vidéo, que ce soit en stream, je fais toujours cette compo. Donc du coup, on perd pas de temps, on y va directement. Alors je compte envoyer ma reine face reine directement. On va commencer par là, tac 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 tac. Voilà, on va envoyer les bébés dragues de chaque côté pour funnel évidemment, parce que sinon c'est la merde. Voilà, est-ce que j'ai tout bien? Et oui, totalement, j'ai tout bien. C'est nickel. Voilà, la reine qui va bientôt se faire attirer à mon avis. Voilà, la reine qui se fait attirer par le bébé drague. Hop, là, voilà, ça va gratter un tout petit peu. Faudrait juste que la reine n'aille pas trop du côté de la TDE avant tout simplement d'aller sur... évidemment, elle y va. Évidemment, fallait qu'elle y aille, cette reine. Évidemment, la reine de QI. Voilà, hop, on active directement sa kappa. Bam, on met ça. Voilà, on met le sort de rage. Évidemment, fallait qu'elle se prenne la TDE. Voilà, bam. Du coup, on met ça, voilà. Normalement, ça va pas taper. Tac, on va envoyer ça, ça. Voilà, en espérant que la reine puisse se dégager du feu de la TDE. Malheureusement, non. Voilà, c'est dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre trop de temps. Parce que sinon, ça va être un peu chaud. Voilà, on va essayer d'aller péter cette TDE mono assez rapidement. De telle sorte qu'elle embête pas trop. Que ce soit mon PK, que ce soit mon roi. Ou que ce soit Waters Oz. Que ce soit n'importe quoi d'autre. Voilà, directement. Donc là je pense qu'il y a un... Ah non, j'allais dire il y a un petit parc à Tesla au milieu. Mais c'est pas vraiment possible hein. C'est pas vraiment possible qu'il y ait un parc à Tesla au milieu. Bam, là par contre on pourrait se mettre un petit sort de rage. Voilà, pour parce qu'il y a quand même pas mal de défense. Voilà, les cochons du CDC qui vont directement aller taper l'arc X en haut. Je ne sais pas si ça va perf par contre. Je ne sais pas du tout si ça va perf en vrai. Il reste peu de cochons au milieu. Voilà, il va rester les cochons neufs à droite. Hop, il va rester le PK au milieu avec des mineurs. En vrai, je me dis, je pense que c'est faisable. Voilà, s'ils arrivent à péter cette T2, il y a peut-être moyen. Voilà, en vrai je pense qu'il y a quand même moyen. Voilà, ou alors ça va fail time. Si ça fail time, j'ai le seum, hein, je préviens. Bam, bam, bam. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir ici. Voilà, boum. Comme ça, le PK, hop, il va retourner là-bas. Tac, 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 boum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le pouvoir du roi. Voilà, comme ça, ce sera plus rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer d'aller gratter du côté de cette réserve d'élixir qui pourrait faire chier, littéralement. Bam, en tout cas, voilà, on est déjà à 94%, 96%, bam. Là, ça va remonter directement. Et là-haut, ça va gratter. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font les sorciers là-bas, mais en tout cas, ils sont un petit peu cons d'avoir un peu fait le tour. Voilà, il reste 20 secondes. Je pense que ça va le faire. Clairement, le 100% qui est effectué. Voilà, 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 voilà. Bam, le petit 100% qui est effectué. Donc actuellement sur la saison, on est 5ème. On a réussi à monter 5ème. On est à 4 étoiles du 4ème. Donc clairement, au début de... C'est clairement top. On a clairement... La taverne a fait une excellente performance. Voilà. Clairement, vu le niveau qu'on avait en face, bah, je suis très content de la taverne, tout simplement. À la base, on partait dans les derniers, style 7ème. Après, on a réussi à gratter la 6ème place, puis la 5ème place. Et là, la 5ème place est assez easy. Voilà, bref, on va se faire un petit coucou YouTube au clan. Voilà, je pense que ça leur fera plaisir. Je pense que ça leur fera plaisir, un petit coucou YouTube. Voilà. Pour faire un petit peu de coucou YouTube, voilà. Et on, alors, du coup, dans le labo, j'ai lancé mes molosses. Voilà, mes dragons se sont terminés. J'avais déjà fini mes bébés drags. Je sais pas si c'était terminé en vidéo. Si je l'avais dit en vidéo, du moins. Et voilà, mes bébés drags se sont terminés. Mes dragons, du coup, il va me rester juste mes gobelins. Et après, il va me rester...
Il va me rester sort de clonage, sort de speed, sort de squelette, sort de chauve-souris, et les Valkyries, du coup, après, ces petits molosses, voilà, le petit coucou YouTube de Amine, Amine Omar, voilà, même si tu sais mieux. Suivez-moi sur Twitch, GDC OC Live, le lien est dans la description, n'hésitez pas, voilà, prochainement, sûrement, des lives, sur autre chose que Clash of Clans sur Twitch, voilà, je vous réserve ça, et clairement, ce sera top, voilà. Ce sera top, ce sera génial, voilà. En tout cas, je suis très content, j'ai quand même fait une performance plutôt pas mal. Même s'il y a un jour où j'ai pas attaqué, du coup, ça me fout un peu de sub. Mais en vrai, je suis très content. Voilà, le meilleur qui s'est démarqué, c'est Anto. Anto, il l'a géré, voilà. Ensuite, on est suivi par Matteo, Swifty, Tryhard, Loris, Amine, Piatek et moi. Voilà. Alors, les bonus, évidemment, on les réservera pour les plus méritants et pas moi. Voilà. Enfin, je sais pas. Je sais même plus combien c'est que de bonus. Je sais plus si c'est 7, 8, 9, 10. Je sais plus. En tout cas, voilà. Sur ce, les potes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à demander en commentaire si vous voulez d'autres attaques de ligue comme ça. Voilà. Ou que je vous fasse style une vidéo tous les mois où je vous fais mes 7 attaques de ligue dans une vidéo. Ça pourrait être vachement top. Genre, je vous compile, je vous tourne toutes les attaques en live. Et donc, à la fin, je vous fais une méga vidéo best-of et de mes attaques de ligue. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez ça, à le dire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas également à partager, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tout le lien sur la description sur ce CTGD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.